été réveillée pendant la nuit. Tu avais dû boire un peu de thé. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 octobre. Yes, je fais tout tomber. Il est actuellement 7h30 et le papa de Léandre vient de le chercher pour l'amener au jardin d'enfants. C'est aujourd'hui notre dernier jour d'adaptation. Et du coup, le dernier jour auquel c'est pas moi qui m'occupe le matin d'amener Léandre, ce qui est pour l'instant très agréable. Mais du coup, à partir de la semaine prochaine, c'est moi qui ai fait l'intégralité de la chose le matin. La seule chose qui est encore un peu... où je me pose encore un peu la question comment je vais faire, c'est par rapport à Opium, parce que... Eh bien, je ne peux pas amener d'abord Léandre au jardin d'enfants et puis rentrer pour sortir Opium parce que elle va pas du tout aimer. J'ai pas le temps de la sortir avec Léandre parce que si je marche avec lui pour aller sortir Opium et pour ramener Opium et puis ensuite... Enfin bref, on est parti pour 3 quarts d'heure. Je parle d'expérience. Je ne peux pas juste sortir Opium 5 minutes et revenir parce que du coup Léandre serait tout seul dans cet appartement. Et je peux pas amener Opium avec moi quand je l'amène au jardin d'enfants parce que du coup je devrais l'attacher dehors. En plus du fait qu'il commence à faire très froid, bah, y a des enfants qui rentrent dans le jardin d'enfants. Donc comme il y a un chien attaché dehors, c'est pas forcément génial. Donc je suis un peu... Voilà. Du coup je réfléchis à peut-être l'entraîner à m'attendre le matin que je rentre du jardin d'enfants pour la sortir elle. Et pour ça va falloir que j'aille acheter tout à l'heure des petites...
des petites friandises sur lesquelles elle peut mordre pendant, je sais, au moins un quart d'heure. Donc ça devrait l'occuper et on va tester ça. Mais du coup, il va falloir qu'on aille acheter ça cet après-midi. Ça, c'est un des points du programme d'aujourd'hui. Je dois partir vers 9h. Parce que j'ai un rendez-vous chez le gynéco pour une petite visite de contrôle pour voir bébé à 9h30. Et avant ça, j'aimerais bien passer chez un ami qui est en vacances en ce moment et je m'occupe de son chat actuellement. Du coup, voilà, va falloir que je fasse ça. Et puis ensuite, on rentre, je mange, Léandre dort, on va acheter les trucs pour Opium et on doit être rentré pour 16h30 parce qu'à 16h30 il y a quelqu'un qui vient pour venir récupérer mon ancien ordinateur que j'ai vendu sur le Bon Coin. Et à propos de Bon Coin, il faut que j'aille chercher une salopette que j'ai vendue sur Vinted que je dois amener à la poste ce matin. Voilà donc tout un petit programme pour aujourd'hui. Je vais voir ce que je vais réussir à filmer entre temps. Là déjà, je vais profiter de cette petite heure que j'ai encore à ma disposition pour finir le montage de la vidéo qui aurait dû sortir hier, que j'ai pas fini hier parce que hier je suis allée en ville avec une copine. On est allé à l'université pour aller à la bibliothèque parce qu'elle voulait quelqu'un qui l'accompagne pour aller chercher ses livres pour sa thèse. Du coup, on a fait ça. Moi, j'en ai profité pour bosser aussi un peu. D'ailleurs, ces derniers jours, comme j'ai les matinées off là, j'en ai profité pour bosser vraiment énormément. Pas que sur les vidéos YouTube, mais aussi sur plein de trucs concernant mes études. Et sincèrement, ça me fait du bien de fou de faire ça. Parce que c'est quand même quelque chose que j'adore faire et que ça fait longtemps que je me suis pas occupée de tout ça. Et du coup, bah, ça m'a fait du bien de reprendre un peu et de me replonger un peu dans des livres et de ne pas que me concentrer sur des choses concernant un petit de 18 mois, même si ça aussi j'aime beaucoup bien évidemment. Mais là, le fait de rebosser un peu comme une personne normale, de sortir, de voir des gens, d'avoir des interactions sociales un peu superficielles, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, moi je vais arrêter de papoter, finir d'emballer ce colis et finir le montage parce que sinon je vais jamais y arriver. Il est 8h42, j'ai un peu traîné. Là, il faut que je sorte encore Opium vite fait et puis dans 10 minutes j'ai mon bus. Vraiment, une fois que je commence à faire du montage, je ne peux plus m'arrêter. Et bon signe, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est vrai que du coup là j'ai dû me forcer sur les dernières secondes à vraiment me lever de ma chaise et me préparer. Heureusement j'ai déjà fait mon sac. Opium aussi qui a très très hâte de sortir, et d'ailleurs dehors il fait un temps vraiment très mitigé, vraiment brumeux. Je crois pas qu'il fasse froid, mais il y a de la brume depuis. Depuis cette nuit, je sais, parce que bah, j'ai été réveillée cette nuit vers 1h du matin jusqu'à 3h de nouveau. Du coup, j'ai de nouveau pas énormément dormi cette nuit. Ça va être un des points que je vais aborder aussi avec ma gynéco là pour notre petit check-up de la grossesse, parce que je sais que c'est lié à la grossesse et peut-être qu'elle a des conseils à me donner pour régler ce problème, parce que vraiment... Le fait de ne pas dormir comme ça la nuit, je ne sais pas si ça se voit à ma tête. Vous avez été quelques-uns à me dire la dernière fois que j'avais une petite mine. Je me sens aussi comme si j'avais une petite mine parce que bah, je ne dors pas énormément. C'est pas ouf. Moi qui vous disais toute confiante la semaine dernière qu'on n'avait pas eu de régression de sommeil suite à l'adaptation à la crèche. Et bien depuis qu'il mange à midi là-bas, ça l'a beaucoup perturbé dans ses routines. Parce que notre routine c'était toujours jusqu'à présent préparer, manger,
manger vers 11h et puis directement après manger, aller au lit. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien installé, ce qui fait que la plupart du temps, il s'endormait directement. Il allait même, après avoir mangé déjà tout seul, dans son lit. Et là, maintenant, on rajoute un truc entre deux. Déjà, de un, il mange plus à la maison puisqu'il mange au jardin d'enfants. Et en plus de ça, du coup, bah, il y a encore le fait de rentrer à la maison et puis d'aller dormir. C'est assez compliqué, qu'il est vraiment surexcité. Il est très fatigué, hein, mais il est surexcité. Et là, ça fait une semaine que ça dure comme ça. Donc, j'essaie de l'accompagner de manière bienveillante, hein, toujours, et d'essayer de l'aider à retrouver du coup une nouvelle routine, ce qui est encore un peu compliqué parce que bah, cette semaine-ci, c'est encore son papa qui l'a ramené à la maison. La semaine prochaine, ça va être moi. Du coup, encore un changement de plus qui va se faire. Mais ouais, on va essayer de trouver petit à petit notre chemin vers une nouvelle routine de midi pour espérer que les endormissements soient plus apaisés. Parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il a même dû une fois s'endormir dans mon lit à côté de moi puisqu'il n'arrivait vraiment pas à s'endormir. Donc on va voir comment ça se passe là maintenant. Je ne l'entends pas actuellement, mais j'ai fermé la porte pour pouvoir vous parler. Donc je sais pas, je pense que je vais aller me mettre dans mon lit, comme ça je serai juste à côté et j'entendrai s'il se lève ou pas. Et puis ça me permettra aussi de moi fermer les yeux. Parce que cette matinée, cette matinée m'a fatiguée. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. J'ai réussi à rien filmer du tout parce que de 1, il a plu. De 2, tout s'est un peu chamboulé parce que mon bus était hyper en retard et du coup, bah, ça m'a, j'ai tout dû faire dans le désordre. La seule chose que j'ai réussi à filmer, c'est ce magnifique petit extrait de moi au bureau de poste. Voilà, profitez, c'est le seul extrait de ma matinée que vous verrez. Mais voilà, juste un petit update vite fait par rapport à bébé. Tout va bien. Elle m'a conseillé d'aller en pharmacie chercher des petits bonbons de mélatonine pour les prendre pendant la nuit, pour m'aider peut-être à me rendormir. Elle m'a conseillé aussi la lavande, mais le problème avec la lavande, c'est que ça me donne mal à la tête. Du coup, ça, c'est un peu contre-productif, surtout que mes maux de tête vont mieux. Enfin, j'ai moins de maux de tête, donc ça, c'est super. Et par contre, je vais aller fermer les yeux parce que du coup, comme mon bus n'est pas venu, et eh ben, j'ai dû marcher et du coup, ça m'a fatiguée de fou parce que j'ai fait toute la matinée en marchant. Et du coup là maintenant je vais me reposer et fermer un peu les yeux. Bon, du coup, petit changement de planning. Il pleut, il fait froid. Léandre s'est réveillé un peu ronchon de sa sieste qui a duré une toute petite heure. Opium n'a pas du tout envie de sortir s'il pleut, donc voilà. Personne n'a envie de sortir. Sinon je ferai ça, j'irai acheter des trucs demain. Comme j'ai de toute façon un rendez-vous chez le vétérinaire pour son otite. Qui s'est toujours pas rectifié, c'est en voie de rétablissement, mais voilà, ça prend du temps. Du coup, j'ai une nouvelle visite pour vérifier que ça aille dans le bon sens, et du coup, bah, on sera tout près du magasin. Ouais, on a reçu un colis, un petit haut avec des fleurs. Oh, c'est magnifique! J'ai dû passer de nouveau quelques petites commandes sur Vinted parce que depuis que Léandre va au jardin d'enfants, je n'ose plus lui mettre tous ses beaux habits blancs qu'il porte quand il est à la maison parce que bah, comme il mange là-bas et qu'ils ont que des petits bavoirs comme ça, et ben, les habits sont revenus avec des taches que je n'arrive pas à faire sortir. Et du coup, bah, j'ai pas envie de ruiner les habits, donc je suis partie à la recherche d'habits un peu plus foncés que j'aime quand même bien. Et on a par exemple ce petit haut avec des petites fleurs dessus qui va être très joli et sur lequel on ne va voir aucune tache. J'ai encore quelques petits hauts comme ça qui devraient arriver là ces prochains jours. Et j'ai l'impression que je suis sans cesse en train d'acheter des trucs pour toi. Maman. Bah oui, maman, elle achète sans cesse des trucs pour toi. Ça ne s'arrête jamais. Ce matin encore, j'étais en train de chercher du coup des chaussures pour la taille suivante parce que je dois acheter des nouvelles chaussures tous les 3 mois. Et puis je dois commencer aussi à regarder pour un pantalon de neige, enfin un pantalon de quoi. Oh là là, qu'est-ce que tu fais comme cabriole? Puis il fallait que je rachète tout un double set de vêtements de pluie pour le laisser au jardin d'enfants. En plus de tout ça, il y a bien évidemment encore les activités que je renouvelle et j'ai l'impression que vraiment je suis sans cesse en train d'acheter des trucs. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Bon, mon ange, tu sais ce qu'on va faire nous par contre?
On va changer ta couche. On va changer ta couche. Il y a des voitures dehors. On va faire une après-midi calme. On va faire des activités. Moi, j'ai rendu l'un duquel je dois m'occuper. Comme toujours. Et il est de toute façon déjà 15 heures passées. Donc les deux prochaines heures jusqu'à ce que je fasse à manger vont vite passer. Et puis on fera quand même une petite balade entre temps. Avec Opium une fois qu'il aura arrêté de pleuvoir. Et puis voilà. Une après-midi calme, posée. Moi, je vais me faire encore un thé, je crois. On est revenu de notre petite balade du soir qui a été qui a été un peu improvisée d'un coup parce que sa grand-mère m'a écrit un message pour qu'on se voit, pour qu'elle me montre des petits coupons de tissu pour que je choisisse un tissu pour un petit projet DIY que j'ai. Je vous en parle dans deux secondes. Mais du coup, au lieu de faire notre petit tour de pâté de maison habituel, on s'est habillé un peu chaudement parce qu'ils annonçaient de la pluie et d'ailleurs on est rentré tout juste avant qu'il commence à pleuvoir. Et on est allé en ville pour aller la voir. Elle m'a donné les petits coupons et j'ai choisi ce que je voulais avoir. Et puis on est passé aussi à côté d'un
d'une friperie. Et du coup, bah, j'ai regardé si, si je trouvais des trucs pour lui. Et j'ai trouvé quelques petites choses pour l'hiver. Rien d'incroyable. On a 4 paires de collants. Un petit legging beige tout simple, sans rien dessus. Ce qui est, ma foi, un exploit. Des petits gants aussi. Puis j'ai trouvé aussi ce petit gilet trop mignon, tricoté à la main. Ça, ça va être magnifique pour cet hiver. Et du coup, le petit projet que j'ai en ce moment, pour lequel je suis allée du coup regarder les échantillons de tissus, c'est dans la chambre de Léandre, puisque j'aimerais bien remplacer le miroir qui est là derrière par une comme une tête de lit, vous savez, les têtes de lit en tissu rembourrées, enfin moelleuses comme ça. J'aimerais bien mettre un truc comme ça ici, parce que bah, le miroir, ça lui sert plus à grand chose maintenant. Et la nuit, je l'entends parfois taper contre le miroir ou se cogner la tête ou quoi. Et en plus de ça, comme il s'agit d'un mur extérieur, je pense que mettre quelque chose de molletonné, ça empêchera encore plus le froid de passer. Et du coup, tu leur montres ton lit. Et du coup, ça rendra tout ce setup un peu plus agréable. Et le miroir qui est là, j'aimerais bien le mettre du coup ici, dans l'air de motricité. Pas pour Léandre, parce que lui, il en a plus vraiment besoin, mais pour bébé. Et comme ça, bah, le mur qui est là, en fait, il a exactement la bonne taille pour le miroir. Et bah, je mettrai le tapis beaucoup plus collé au mur, et comme ça, ça fera un espace de mouvement comme pensé de base par Montessori, parce que de base, c'est pas du tout pensé que ça soit à côté du lit. Mais comme à l'époque où Léandre est né, mon salon et tout le setup de mon appartement ne ressemble pas encore à ça, le seul endroit logique était sa chambre et son lit. Et du coup, maintenant qu'on a changé un peu tout ça, et eh bien je pense que ça sera beaucoup mieux de mettre ça là et d'échanger du coup ces deux airs. Et d'ailleurs, en parlant de changement dans l'appartement, il y a une chose que je vous ai pas montré. Du coup, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais partie pour trouver des plantes pour renouveler un peu tout ça. Et eh bien voilà ce que ça donne. J'ai enfin viré les deux grosses plantes qui m'embêtaient déjà depuis des mois. Je les ai enlevées, voilà, elles ne sont plus, elles sont parties, elles sont au paradis des plantes. Et j'ai mis du coup les deux petites plantes que j'ai achetées ici, dans le coin, et j'ai aussi fixé cette plante-ci vraiment au mur. Et je trouve que ça donne trop joli. Elle va continuer à pousser comme ça, bien évidemment, mais du coup j'ai utilisé en fait des petits fixateurs comme ça, qui sont de base utilisés pour fixer les câbles électriques. Et je suis trop contente du résultat, et je pense que la plante aussi, ça va lui faire du bien d'être soutenue un peu plus. Et en plus de ça, ça rend les fenêtres beaucoup plus accessibles pour Léandre, qui en ce moment adore regarder par la fenêtre et observer les bus, les voitures, les camions de poubelle, tout ce qui passe. Donc vraiment, ça, c'est un gros point en plus. Et maintenant, il va falloir que... Oh, voilà, ça va, mon cœur? Tu t'es cassé la figure? Oh là là. On va faire à manger, hein? On va faire la cuisine? Oui. Ok, d'accord. Bon, du coup, on va faire à manger, et je pense que je vais terminer ce vlog ici, parce que comme vous l'entendez peut-être, Léandre est en train de tomber malade, et du coup il est forcément un peu grincheux. Du coup, voilà, j'espère que c'est rien de trop grave, mais du coup il a besoin de beaucoup plus d'attention, et mes nerfs sont déjà un peu mis à rude épreuve, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de pleurs là. Donc je vais arrêter ce vlog ici. On en est déjà au stade où je ne peux pas le poser. Du coup, je l'ai pris dans le porte-bébé pour pouvoir faire à manger. Et moi, du coup, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir, comme toujours, en laissant un petit commentaire. Nous, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et peut-être entre-temps
pour un nouveau vlog. D'ici là, je vous fais plein plein de bisous.